Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Donc aujourd'hui on va s'attaquer aux macarons. Donc on a fait hier les coques à macarons. Donc je vous mettrai le lien pour les réaliser. Maintenant on va faire la ganache et le montage. Donc pour la ganache, il va nous falloir 30 g de crème liquide entière à 30%, plus 90 g de crème liquide aussi entière à 30%. Il nous faudra 50 g de chocolat blanc. Pour ma part, je vais donc les faire la ganache, je vais donc faire au chocolat et je vais mettre aussi un cœur donc caramel. Donc, il nous faudra une cuillère et demie de chocolat en poudre non sucré et donc du caramel au beurre salé. Je vous mettrai donc le lien pour la réaliser. Donc, on va faire chauffer déjà nos 30 g de crème liquide entière. Et le chocolat au micro-ondes, donc étape par étape, parce que c'est un chocolat quand même assez dur à manipuler. Donc voilà, quand notre chocolat blanc est fondu, on va venir y ajouter en deux fois la crème liquide bien chaude. Donc on ajoute la crème en deux fois. Voilà, comme ceci, vous avez donc une texture assez lisse. Ensuite, on va ajouter donc la crème, le restant de la crème, donc les 90 g de crème bien froide. Donc, on remue bien doucement la préparation pour que tout s'incorpore correctement. Donc une fois que la préparation est bien mélangée, on va y ajouter donc notre chocolat en poudre non sucrée. Donc après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme arôme à cette ganache. Vous pouvez mettre de l'arôme alimentaire ou autre chose, la pistache, autre. Ma ganache est donc finie d'être faite. Maintenant, je vais la laisser reposer. Au minimum 2 heures au frigo, donc recouvert d'un film alimentaire. Et sinon, si vous êtes pressé, vous la mettez 1 heure au congélateur. Donc, une fois que la crème est refroidie, on va la mettre dans notre robot. Et donc on va la monter en chantilly donc pour faire une belle ganache. Voilà donc. La préparation est prête. Je vais donc la mettre dans une poche à douille. Ensuite, on va donc prendre nos coques. On essaye de prendre des coques qui ont le même diamètre. Puis on va venir déposer notre ganache.
comme moi je fais chocolat et caramel, un cœur coulant au caramel beurre salé. Je mets donc un petit peu de caramel au milieu et je recouvre. Je recouvre donc après mon macaron. Donc je refais un. Voilà, je continue pour les autres, on se retrouve une fois fini. Voici donc les 36 macarons finis. Je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt !